Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur The Way Home qui vient de sortir sur iOS, sur Android. C'est un espèce de RPG roguelike, on va dire. Par contre, vous entendez la musique ou pas? Parce que moi j'entends la musique depuis 5 minutes parce que le temps de lancer l'enregistrement et tout. Je suis pas sûr qu'on va garder la musique très longtemps, mais bref, on va aller tester ça. Toucher l'écran. Ok, si vous utilisez un effet d'ombre porté, cela crée un plus bel espace. Certains appareils plus anciens peuvent ne pas. Bah là je suis surému, j'ai eu la flemme de jouer sur tel. L'effet d'ombre fonctionne-t-il bien? Bah j'ai pas pu trop voir, on va dire oui, vas-y pour te faire plaisir. Ok, touche l'écran, vous pouvez extraire les ressources ciblées. Ok, j'ai juste besoin de taper comme ça? Ah ouais, je tape juste sur l'écran, c'est incroyable. Je peux casser le caillou? Je peux pas casser le caillou. Dommage, un peu déçu. Vous attaquez automatiquement les ennemis à portée. Oh, trop bien, j'ai rien à faire. Apparemment, faut que j'arrête de bouger pour qu'il tape l'ennemi. Ok. Je peux casser les caisses? Je peux pas les casser les caisses. Je suis obligé de le tuer, on peut avancer? Non, je peux avancer. Ok. Attends, mais vas-y, on va passer à autre chose, frère. On va pas rester sur le mannequin. Vas-y, pète ça. Vous pouvez utiliser le portail pour retourner à l'île. Non, parce que j'ai pas fait le tuto, en fait. C'est quelle île? Faut peut-être éliminer tous les ennemis pour l'ouvrir. Ah, faut que je tape vraiment le mannequin pendant... Je vais pas mettre des gros coups de patate là, mannequin. Faut vraiment tuer le mannequin pour sortir? Trop chiant. Vas-y, c'est bon, on se casse. Oh, le portail, il est éliminé. Ok, ceci est une excellente exploration. Vous pouvez garder toutes les ressources. Vous allez recevoir, vous allez perdre. J'ai pas tout compris, mais pourquoi pas. C'était comment la caverne? Il y avait un soldat squelette. Non mais la musique a fait mal à la tête. Il y avait un soldat squelette, alors je m'en suis débarrassé. Quoi? Un soldat squelette? C'est flippant ici, je suis terrifié. Smiley des gens sur Discord. Reste ici Kevin, je te protège. Il s'appelle Kevin, putain. Tu penses qu'on va pouvoir rentrer à la maison? On va finir par trouver un moyen. Attends, mais vous connaissez? Je peux ouvrir le coffre? Can be obtained in the battlefield. Waouh, ils ont eu la flemme de traduire ça, genre. Ils ont traduit les dialogues, mais pas. Attends, faut vraiment que je tape. Il peut pas farmer tout seul le frérot. Je suis obligé de taper sur l'écran. Je suis très déçu. Je pensais que je pouvais me mettre à côté de lui et farmer. Ouais, il y a un coffre. Le coffre est fermé. Nous avons besoin de clé en bois. Ok. Oh, il veut me parler. Mon ami. Il fait froid la nuit. Ça va toi, Cheese? Il s'appelle Cheese. Avec ma fourrure, ça va. J'ai ramassé ça. Il a écrit quelque chose. Je vais vérifier. Je peux skip les dialogues, moi, ou pas? Feu de camp. Nos corps et l'esprit deviennent sains devant le feu chaud. Il faut choisir les bûches bien sèches. Eh, c'est compliqué, hein? Le jeu, il est dur, hein? On galère déjà avec le dialogue. J'imagine pas le niveau du gameplay. J'ai recherché ce qu'il faut. Chips. Comment j'ai atterri ici? T'es totalement con. Je peux... Attends, tout qui brille dans l'inventaire. Oh, feu de camp! Construire. Ah, il me faut du bois. Vas-y, on va former du bois. Hop. C'est un bois par arbre ou pas? Ah oui, c'est un bois par arbre. Il peut pas taper plusieurs arbres en même temps? Ok, j'ai trois bois. Là, je peux faire mon feu de camp ou pas? Deux? Ah, j'ai pas ramassé! Je suis nul. Après, le jeu il est compliqué. Hein. Là, vous rigolez et tout, mais. Je vais le mettre près du frérot là. Comme ça, s'il a froid, il peut venir et tout près du. Où suis-je? Cette caverne est vraiment suspecte. Oh, faut que j'aille dans la caverne! Montant niveau. Ok, faut que je peux pas directement monter en niveau. Ok, vas-y, on va retourner dans la caverne. L'exploration a commencé. Je vais peut-être augmenter la musique parce que la musique comme ça en 8 bits là c'est vraiment pur kiff. Oh, je trouve une clé, incroyable, clé en bois. Eh hey, ben c'est la clé qu'il me fallait. Est-ce que je peux mourir? Qu'est-ce que ça fait si je meurs? Je perds toutes mes ressources j'imagine. Oh, plante carnivore. Je me régène comment? Ah bah j'ai un bouton de heal en bas. Cercle d'éclair, cercle de poison, cercle de feu.
Elle vous déclare son tour est venu pour toquer. Ok. Y a un truc pour mail ou pas? Ah mais faut que je tape à chaque fois sur l'écran, c'est trop chiant. Oui, je suis une feignasse. Je bienvenue sur cette chaîne. Je suis une grosse feignasse, oui. J'espère que vous ne me découvrez pas comme ça. Ok, là il y a un portail, mais du coup le portail il faut que... Peut-être éliminer tous les ennemis pour l'ouvrir. Ok, non c'est bon, je descends. Je descends, je peux taper l'arbre rouge là? Je peux pas taper l'arbre rouge, dommage. Je suis safe à cette distance ou pas? Ouais, je suis pas trop safe. Hein. Je peux éviter... Oh, je peux éviter les attaques. Je suis trop fort. Je possède le skill. Par contre, on va farmer. Hein. Je me barre pas d'ici sans qu'on ait ramassé toutes les ressources. Attends, tape le caillou. Et après, il y a un autre caillou en haut. Comment je me heal? Oh, il y a un truc ici, on l'avait presque pas vu. Pas les trucs à choper ici, ok. Je suis à 1 sur 7, ce qui veut dire qu'il y a 7 trucs à explorer comme ça. La musique rentre en tête. La musique par contre, elle rentre un petit peu en tête. Attends, le feu il soigne pas? Non, oh, j'avais oublié un caillou. Ça va rendre fou la musique. Attends, je peux passer par là ou pas? J'aurais peut-être dû aller me heal. Là je vois il y a 4 ennemis sur la map en haut. 100% c'est la mort. C'est la mort du petit chat. Ah, en plus il y a de l'orage. Attends, j'ai vraiment rien pour mail. Arc court, ok, PV, défense, attaque, vitesse de mouvement. Moins 10%? C'est j'ai trop bouffé à midi. Trop mangé. J'ai pété un câble. Oh, j'ai vu que les attaques. Non, j'ai attaqué, j'ai pris. Non! Je me casse. Oui, mais. Laissez-moi sortir. Non! Y'a moyen, je gère là. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Vas-y. Prends l'aggro de toute la planète. Prends l'aggro de tout le monde. Quand tu me chutes des cailloux, t'es enfoiré là. Et c'est. Ça te demande du skill. Je suis pas un joueur skillé, hein. Moi je suis un joueur. Je suis mort. C'est... Le jeu est beaucoup trop dur en fait. Vous pouvez regarder 30% des ressources. Seulement 30%? Pas 100%? J'ai dû faire un mauvais rêve. Bah t'as fait des rêves, hein. Faux rêve, hein. Attendez, annulé. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans mon coffre? J'ai récupéré la clé. J'ai la clé, je pourrais ouvrir le coffre par contre. Guide numéro 2. Je peux me battre. Je peux pas avoir un sort de heal, un truc? Ouais, compétences, feuille de compétences. Ok, ça s'arrête là. C'est un guide! C'était écrit. Je t'ai quand même amené. Moi, c'était écrit guide, du coup, je sais que c'était un guide. Par contre, la musique. C'est le tome 2. Elle est où le premier tome? Avec le bécherel, je pense. Elle est où le premier livre? On va vite pas rester amis, toi et moi. Alors, les fois on ne travaille jamais, entraînez-vous pour avoir un arc encore plus puissant. Ressources, ok. Veuillez saisir le mot de. Ok, non, c'est pas. J'ai pas le bon mot de passe, c'est pas grave. Ok, ça on peut l'apprendre. Au fourneau, immeuble. Attends, enfin un building, c'est la défense ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour crafter le haut fourneau? Annulé. Oh, je peux le crafter, trop bien. Je le mets où? Où est-ce que je vais mettre le fourneau à votre avis? J'ai plein envie de le mettre là, en haut. Ouais, vas-y, construction. Hop, yes. Qu'est-ce que je peux faire avec? Charbon, fer doux. Eh mais c'est ce qu'il me fallait pour améliorer ça. Et du coup ça sert à quoi? C'est mes PV à moi? Comment je vois les stats de mon perso quand je suis...
ici. Ça fabriquer des outils en frappant les métaux. Vous pouvez réaliser. Vous pouvez rester pendant longtemps contre le choc. Il faut mélanger le fer. Ok, on saura pas. La lame de scie puissante coupe les bois. C'est pour fabriquer des planches en bois. Ok, bah je verrai quand on sera bloqué. Du coup, là, je peux me barrer et retourner farmer. Ok, vas-y, je suis. Là, je gère. Hop. Hop. J'attends qu'il fasse sa boule et je le tape et voilà, ça c'est fait. Attends, faut vraiment pas que je perde de PV bêtement là-dessus. Ok, vas-y, en plus j'ai level up. Augmenter les dégâts, le recul ou cercle de glace. Tire directement sur la cible suivante. Diminue les dégâts pour la cible suivante. Je vais faire ça. Comment je resélectionne la boule autour de moi d'ailleurs? La boule de feu là que j'avais tout à l'heure. Je sais pas comment on fait pour la resectionner. Ah mais je suis retourné au 1F. Ah, à chaque fois je redémarre à zéro. Oui mais Benijou c'est un roguelike en fait, c'est le principe des roguelikes. Je pensais que je redémarrais au 2F et que si je voulais je pouvais retourner au 1F en fait. Ah ouais, tu meurs, tu redémarres Ok. Ça a rendu quand même. Après c'est pas le même, hein. Il y avait pas eu tout à l'heure. Si j'ai pas de bêtises. Tiens, je vais les feinter. J'attends qu'ils veulent mettre des coups et dès qu'ils veulent mettre des coups, là je les feinte, je me casse. Dégager. Dégager. Un en moins. Et le dernier aussi. Oh, j'ai récupéré du stuff. Sac. Défense 52. Et bah j'avais pas de défense jusque là, du coup ça tombe bien. Ok, donc on a quand même des trucs même si on redémarre. Ok. Attends, par contre j'ai chopé des chaussures par terre. Défense 17. Ah oui, je suis passé de 0 à 69 en défense. Pas mal. Par contre, est-ce que je peux genre juste décider de me barrer et rentrer au bercail là? Règle, évacuation. Avec toutes les ressources gagnées, vous retournez au village. Ah bah non du coup. Non, non, non. Ah mais en fait, je peux utiliser ça pour rentrer au village. Mais sauf que ça va me ramener... Ouais, vas-y, moi c'est pas intéressant, je vais me foutre sur la gueule. Là. Je vais essayer d'aller. Vu que j'ai eu un gros up de stuff, en vrai, autant tenter d'aller plus loin. Par contre, j'aurais bien aimé avancer dans le jeu pour voir ce qu'on peut poser dans notre base. Attends, je leur mets des coups de feinte à eux, genre en mode. Ah, je reste pour me battre au corps à corps, non, en fait, je fuis. Oula. Oula, il a l'air énervé lui. Pas que je prenne l'aggro des mobs à droite, hein, comme tout à l'heure. Elle m'a touché la boule, honteux. Honteux, honteux. La boule aurait jamais dû me toucher. Je vais attaquer de loin, comme ça le temps qu'ils viennent, je peux leur mettre des dégâts. Technique de lâche, mais efficace. Ok, là il y a du farm à faire. Après on va aller se taper avec les mobs au-dessus. Hein. Attends, il y a quoi dans les barils? Les barils c'est juste des ressources basiques, il n'y a pas du stuff ou des trucs comme ça dedans? Ok, bah là il n'y avait rien visiblement. Oh, t'as vu, t'allais m'avoir comme ça toi avec tes petites boules violettes là. Par contre, en vrai, le personnage tire relativement vite. Oh, j'ai level up. Cercle de poison, augmenter les dégâts. Oh, turmulti. Oh, un casque. Équipé. Article magique bonus. Ah ouais, mais le 2, c'est parce que j'ai deux exemplaires ou c'est le level? Je sais pas du tout. Ok, donc là j'ai la possibilité de me barrer et de rentrer au village. Mais il est pas ouvert, je crois. Il y a d'autres mobs à tuer. Vas-y, on va les tuer. Oula. Attends, on a re-l'arbre énervé de tout à l'heure. Putain, mais deux flèches à la fois, c'est incroyable. En plus, quand c'est sur la même cible, c'est deux fois sur la même cible. Trop bien. Trop, trop bien. Qu'est-ce que j'ai gagné? Absolument rien. Le mob n'a rien loot du tout. Éclaté. Tiens, file-moi des... Oh, un anneau. Ouais, donc ça, c'est le level, en fait. Ok. Par contre, attends, j'ai équipé un truc et ça me redonne pas mon ancien item. Je peux pas le démonter, faire des trucs avec. Je vais me servir du cuir pour... je sais pas, faire des trucs avec. Tout.
Le problème c'est que là je vois pas ce que je suis en train de farmer en fait. Du coup je sais pas si c'est utile. Je le fais dans le doute, c'est du charbon ça? Ok non, c'est une ressource un peu basique. Bon on va rentrer au bercail, vas-y hop. On a l'air d'avoir eu pas mal de trucs. Il veut toujours pas me parler le frérot? Ok je pense que ça arrange automatiquement les items. Et ça pour l'améliorer il me faut une pierre à bâtir. Ça se craft là-dedans ou pas? Charbon, fer doux, non. Ah, faut que j'obtienne, je pense, le banc de scie pour avoir ça là. Ah, mais non, mais ça c'est de la pierre. Fer doux. Attends, crafted using stone. Can be crafted using the table saw. Bah si, c'était ça en fait. La table saw, on est d'accord que c'était pas ça, mais l'autre là. Et ouais, du coup, faut que je me bagarre pour apprendre des trucs. Ok. Dommage, il ferme pas tout seul quand on le met ici là. Est-ce que lui, je peux lui parler ou pas? Vas-y, ferme là. Ferme là, tu m'as gavé. Ok, le coffre donne toujours rien. Bon bah écoutez, je pense qu'on va cesser là-dessus. Vous avez pu voir après le gameplay du jeu. De toute façon, après, je pense que c'est farmer en boucle des trucs là-dedans, là, pour réussir à améliorer notre village et tout, s'amuser. Je sais pas s'il y a un système de multijoueur. Peut-être qu'il y a plus d'options après. Ça, c'est les bâtiments. Beaucoup de... Celui-là, c'est mon bâtiment préféré. Je l'adore. Il est giga utile. Faites-le quand vous pouvez. Mais ouais, ok. J'espère qu'il y a plus de contenu après, parce que là pour l'instant il n'y a pas. C'est pas incroyable quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous abandonner là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. À la prochaine. Salut, salut. Bye bye.